tous les indicateurs sont à la hausse. Le nombre de nouveaux cas, on en est à plus 50 000 nouveaux cas par jour. C'est une hausse de 25%. Nombre d'hospitalisations, 960 admissions en moyenne par jour. Elles ne font qu'augmenter depuis le 26 septembre. Et puis même la courbe du nombre de décès, qui baissait pourtant encore jusqu'à il y a quelques jours, s'est inversée à son tour. 42 décès en moyenne chaque jour, plus 42%. En une semaine, il n'y a qu'un indicateur en réalité qui baisse de manière continue, c'est le nombre de vaccinations. Et cela jusqu'à la semaine dernière, date de lancement d'une nouvelle campagne de rappel et des nouveaux vaccins plus adaptés à Omicron, ce que les spécialistes tentent d'expliquer tant bien que mal. Franchement, être vacciné, ça protège vraiment beaucoup. Et c'est incroyable qu'il y ait encore des gens qui s'obstinent à ne pas être vaccinés parce qu'ils sont en danger. Les vaccins, on a tous bénéficié de vaccins, les vaccins continuent à nous protéger contre les formes graves. Il faut envisager ces campagnes de rappel qui risquent de revenir de manière régulière, un peu comme la grippe. Mais il faut croire que leurs paroles n'ont plus autant de poids que lors des premières vagues. À peine peut-on parler de frémissement pour cette fameuse quatrième dose. Seulement 30% des plus de 60 ans l'ont reçue. Si on compare avec nos voisins européens, c'est un peu mieux qu'en Allemagne, on en est à 26,4% des habitants qui de plus de 60 ans qui l'ont reçu. Mais on est loin, si on se rappelle, des 80% des plus de 60 ans qui avaient reçu leur première dose de rappel. Et c'est beaucoup moins, si je continue la comparaison avec les voisins européens, qu'en Belgique, où plus de la moitié des habitants âgés d'au moins 65 ans ont reçu cette quatrième dose. Une explication peut-être, en France, cette nouvelle campagne se fait sans grande communication officielle. Il y a les spécialistes qu'on a entendus, quelques spots de radio qui préconise la quatrième dose ou les gestes barrières, mais à la télé, ça commence à dater. Il faut remonter au 28 juillet dernier, c'est-à-dire au cœur de l'été, pour voir un clip recommandant de se faire vacciner. Et rappelez-vous, il s'adressait plutôt aux grands-parents, alors qu'en Belgique, le clip d'incitation à la quatrième dose est diffusé depuis le 30 août, soit fin d'été, début de rentrée, et il veut toucher bien plus de monde. Votre âge, votre santé, votre métier ou vos comportements peuvent vous rendre plus vulnérable au Covid-19. Pour vous protéger contre les formes graves, la revaccination est la meilleure option. Bonsoir Anne-Claude Crémieux, professeur d'infectiologie à l'hôpital Saint-Louis Université Paris. Vous signez chez Fayard « Les citoyens ont le droit de savoir », radiographie sans concession mais sans polémique de la gestion de la crise sanitaire et excellent outil pour mieux comprendre l'évolution actuelle de l'épidémie. Comment comprendre que malgré les chiffres en hausse, contamination et hospitalisation en service de réanimation, les Français les plus fragiles et les plus concernés par la quatrième dose ne se fassent pas vacciner? Alors, effectivement, je pense que c'est un vrai problème. Aujourd'hui, on a un vaccin qui protège contre les formes sévères, mais effectivement, la protection diminue avec le temps. On estime qu'elle commence à diminuer à partir de 100 jours et que lorsque on atteint 4 à 6 mois, plutôt 6 mois, cette protection a diminué de 20 points. Donc, la raison pour laquelle on dit aujourd'hui aux plus de 60 ans et aux personnes à risque, faites-vous revacciner si votre vaccin date de plus de 6 mois, c'est qu'il est essentiel de restaurer cette bonne protection contre les formes sévères, simplement pour éviter que cette vague de contamination devienne une vague d'hospitalisation. Il faudra s'habituer de toute façon au rappel de vaccination parce que le virus du Covid ne sera jamais éradiqué. Ça, vous êtes formel, justement parce que ces vaccins ne protègent pas suffisamment longtemps, contrairement à d'autres vaccins comme la variole, par exemple. Alors aujourd'hui, les vaccins dont on dispose ne sont pas suffisamment protecteur avec une durée de protection suffisamment longue pour qu'on puisse espérer obtenir ce qu'on a à un moment espéré, qui était l'immunité collective, c'est-à-dire en réalité le contrôle de la circulation du virus. Peut-être que demain, on l'aura. Mais en tout cas, bon, avec ceux dont on dispose, ce n'est pas un objectif atteignable. Et c'est la raison pour laquelle on a changé de stratégie. Au départ, on pensait effectivement pouvoir vacciner pour diminuer la circulation du virus. Maintenant, on sait, l'objectif essentiel de la vaccination, c'est de prévenir les formes sévères, c'est d'éviter que les hôpitaux soient submergés par des formes sévères. Et c'est au fond protéger les personnes fragiles, un peu comme pour la grippe.
C'est le pass sanitaire qui a boosté les premières campagnes de vaccination. Est-ce qu'il faut le réinstaurer, notamment pour les personnes les plus fragiles, pour s'assurer une bonne adhésion et une bonne couverture vaccinale? Alors c'est vrai que le pass sanitaire a été remarquablement efficace. Le pass sanitaire, ça a été une intuition politique, il faut bien le dire. Et c'est secondairement que les scientifiques ont démontré, finalement sur la vie réelle, que ça avait eu un impact important, que ça avait vraiment poussé les gens à la vaccination et probablement éviter que les réanimations soient submergées et donc éviter un confinement. Faut-il le rétablir? Ça, c'est effectivement une question politique. On peut espérer quand même que... campagne aidant, une communication claire aidant, les gens vont comprendre qu'il faut se faire vacciner et pour se protéger. Alors ce qui est très intéressant dans cette crise, c'est qu'il y a vraiment, je dirais presque une corrélation entre la gravité ressentie par la population et la façon dont elle va réagir, Elle s'adapte en fait à la gravité complètement. Ressentie. Quand le nombre de morts a augmenté, les gens ont vraiment commencé à porter des masques, à diminuer leur déplacement, et on a constaté à l'inverse que quand les morts diminuaient, au fond il y avait un certain relâchement. Ça a été, je pense que c'est un des aspects très intéressants de cette crise, c'est de voir l'adaptation de la population au danger. Alors qu'au départ, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais les dirigeants occidentaux étaient absolument convaincus que les population des pays occidentaux n'accepterait jamais le confinement, n'accepterait jamais le masque. Il parlait même de méthodes asiatiques que jamais nos pays démocratiques n'utiliseront. Et l'Italie a été moquée au début, vu de France, les premières mesures de confinement. C'est ce qu'on appelle le déni. Ça, c'est extraordinaire. 2020. C'est-à-dire que un des aspects aussi de cette crise dont je parle dans le livre, c'est que systématiquement, les dirigeants font les mêmes erreurs au départ. Ils cherchent avant tout à se rassurer et à rassurer face à une situation qui les déroute complètement. Et c'est à l'origine, en fait, des quatre erreurs de la crise, dont la première, vous l'avez dit, c'est le déni. Le déni. Ce qui se passe en Chine, c'est parce que les Chinois ont des hôpitaux fragiles. Ce qui se passe en Italie, c'est parce qu'ils ont un système décentralisé, rappelez-vous. Et puis, de toute façon, ils n'ont pas la même préparation que nous dans un classement qui a circulé dans toutes les rédactions. L'Italie était située en dessous de nous. Ça, c'est le déni. Ensuite, il y a, on fait référence à un risque qu'on connaît, la grippe. C'est comme la grippe, vous allez voir. C'est-à-dire qu'on banalise le danger. Enfin, on va être aveugle. Aveugle aux données les plus inquiétantes. Les Chinois, les scientifiques chinois nous ont dit, mais dès le mi-février, qu'il y avait 20% de leurs patients qui avaient besoin d'oxygène. La seule chose que les dirigeants occidentaux ont retenue, c'est qu'il y a 80% de forme minime. C'est ça la cécité. On prend systématiquement les données rassurantes. Parce qu'on ne veut pas s'inquiéter et on ne veut pas inquiéter la population. C'est une phrase que vous avez relevée, qui a été répétée à plusieurs reprises par le Premier ministre Jean Castex. Voilà. C'est pas la peine d'angoisser la population, c'est pas la peine de faire paniquer. Résultat, on tarde à prendre les bonnes décisions. C'est ça. C'est que ce ne serait pas grave si en réalité c'était pas tragique. C'est-à-dire que finalement, ça va paralyser les décideurs qui vont dire, non seulement ils vont finalement minimiser la gravité, mais en plus, ils vont être paralysés à l'idée de prendre une mesure qui elle-même va faire comprendre à la population que la situation est plus grave.